s'agit d'un festival de lecture, c'est-à-dire qu'on va avoir des comédiens qui vont jouer des textes, qui vont parler, qui vont raconter des textes. Et ces textes ont pour particularité d'être des textes uniquement sur les animaux. Donc on va aller chercher des textes aussi bien dans l'Antiquité que chez des auteurs récents. En fait, cette idée de festival est née de ma propre expérience. Je travaille en tant que journaliste animalier depuis plus de 30 ans. Et à travers ma carrière, j'ai rencontré des très nombreux textes sur les animaux. Et je me suis dit que ces textes, en fait, ils étaient la plupart du temps très méconnus. Et j'ai eu envie de les mettre à l'honneur. Et je pense qu'actuellement, d'ailleurs ça va commencer, je pense qu'actuellement, il y a de plus en plus d'intérêt pour l'animal. On parle du bien-être animal, on s'interroge sur l'intelligence animale. Et vous allez voir qu'il y a des textes anciens qui déjà parlent de l'intelligence animale, comme on en parlait maintenant. C'est ces textes que j'ai envie de mettre à l'honneur. Alors, on a la chance d'avoir de merveilleux comédiens qui nous accompagnent pour cette première édition. On a d'abord Virginie Lemoine qui a accepté de venir du Festival d'Avignon spécialement en Sarthe pour quelques jours pour nous faire un merveilleux texte de Colette. On a Jean-Paul Borde qui fera un texte extraordinaire de Montaigne. Vous allez voir un texte qui part de l'intelligence animale au XVIe siècle comme on n'en a jamais parlé. Et puis vous aurez Émilie Cazenave qui s'adressera plutôt au jeune public avec un texte de Marcel Aimé, avec les contes de Marcel Aimé, les contes du chat perché. Et pour finir, un très beau texte dit par Cédric Carlier de Goupy sur le renard. Et c'est un texte très très fort qui est vraiment un très beau texte auquel je tiens beaucoup. Comment vous est venue l'idée de choisir ces comédiens ? Alors en fait, très honnêtement, ces comédiens, je suis d'abord journaliste animalier, donc j'ai beaucoup écrit sur les animaux, et puis j'ai un deuxième hobby dans ma vie, c'est le théâtre. Donc en fait, ces comédiens, puisque c'est une première édition en Sarthe, ils sont venus parce qu'avant tout, ils sont des amis et qui m'ont dit, allez, on t'accompagne dans cette première aventure un peu folle, parce qu'on ne sait pas où on va, on va essayer de plaire aux gens, mais il fallait des comédiens. Ils ont tous un point commun, que ce soit Virginie, que ce soit Cédric, tous, ils aiment les animaux. Et ça, c'était la chose que je leur demandais avant. N'aviez-vous pas fait, disons, un festival en Bretagne ? Alors, il y a eu en fait une première idée, effectivement, de festival en Bretagne, mais qui s'inscrivait plus globalement dans ce qu'on appelle les universités de l'animal, où là, en fait, ce sont des scientifiques qui se retrouvent pour parler de l'animal. Et à l'intérieur de cette université, j'avais proposé, effectivement, de faire ces premières lectures dans les animaux. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, moi, je suis sartois, Jean-Paul Borde, qui est comédien aussi, est sartois, et ce qu'on voulait, c'est vraiment l'importer et l'installer ici en Sarthe. Est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme. Et tant, la plus orgueilleuse. Il se sent et se voit logé parmi la bourbe et la fiente du monde. Personnes libres abandonnent pour bien légère commodité leur vie et leur être à la puissance d'autrui. Les tyrans ont-ils jamais failli de trouver assez d'hommes voués à leur dévotion? Des armées entières se sont ainsi obligées à leur capitaine. Les bêtes ont cela de plus généreux que jamais lion ne s'asservit à un autre lion, ni un cheval à un autre cheval. Comme nous allons à la chasse des bêtes, ainsi vont les tigres et les lions. Nous le condamnons. Il en a bien aussi au jugement que nous faisons des bêtes. Elles ont plusieurs facultés qui se rapportent aux nôtres,
De celle-là, par comparaison, nous pouvons tirer quelques conjectures. Mais ce qu'elles ont de particulier, que savons-nous ? La gratitude, car il me semble que nous en avons besoin de mettre ce mot en crédit avant de se quitter. Ce seul exemple y suffira. Appion le récite comme en ayant été lui-même spectateur. Un jour, dit-il, qu'on donnait au peuple de Rome le plaisir du combat de plusieurs bêtes étranges, et principalement de lions de grandeur inusitée. Il y en avait un, entre autres, et duquel il a bien peu à se glorifier. Car de là naît la source principale des maux qui le pressentent. Péché, maladie, irrésolution, trouble, désespoir. Nous sommes part du monde. Le monde est donc fourni de sagesse et de raison, et bien plus abondamment